rentrer? Avec moi. Si on faisait un tour à Schwabing. Oh, il est pas si tard que ça. Ce n'est que le début de la soirée. Allez. Non, ça suffit pour aujourd'hui. Demain, il faut que j'aille au boulot. Oh, oh. Tout droit. Roulez doucement. Ah, pourquoi ils klaxonnent? Parce qu'ils sont contents. Dis donc, c'est même pas fermé. Il a encore oublié. Et pourtant, il nous dit toujours de boucler la porte. Et lui, il oublie. Oh, ça va, c'est pas grave. Il est peut-être pas là. Oh si, il y a son manteau et son attaché-case. Il les laisse jamais là. Il est peut-être au salon. Mais non, il n'y a pas de lumière. Tu sais, il a peut-être fait de la visite ce soir. Fais croire ça. Son journal n'est pas là. Et en plus, il s'envoie un petit verre. Peut-être est-il encore dehors. Mais s'il doit être là, il doit roupiller. Papa? Tu as raison, il n'est pas rentré. Tu as vu son attaché-caisse et s'il est là, lui aussi doit y être. Papa! C'est bizarre, je trouve. C'est pas son genre. Va voir à la cave, il est peut-être descendu. Demandez d'aller à la cave. Mais qu'est-ce que j'irai faire à la cave? Peut-être voulait-il chercher du vin et il a eu un malaise. Que veux-tu que j'en sache? Papa? Il n'est pas là. Ça, c'est la porte. Tu y comprends quelque chose? Je l'ai fermé tout à l'heure. Il n'y a plus que le grenier maintenant. Le docteur Müller ou un autre, vite téléphone. Oui.
Grouille! Bonsoir, docteur. Bonsoir, Ringo. J'ai jamais vu un mort de ma vie, docteur. Mais je sais que vous arrivez trop tard. Où est-il? Il est au grenier. Votre père est mort. Il s'est suicidé. Cherche le numéro et appelle. Comment? Quel numéro? Celui de la police, tiens. La police? La brigade criminelle. Ellie, votre père s'est tué volontairement. Non, c'est impossible! Je vous dis que ce n'est pas possible. Il n'avait pas de raison. Aucune raison. Non, aucune. Appelle! Non, ce n'est pas de notre ressort. On ne s'occupe pas des suicides. Il y a quelqu'un qui s'est pendu. De toute façon, il y aura une enquête sur la mort de votre père. Il y en a toujours en cas de suicide. Qui ça? Il va chercher sa sœur. Ça ne nous regarde pas, tu le sais bien. Ce sont ses enfants, ils ne croient pas au suicide. Oui, je vous écoute. Je suis navré, je viens de dire à votre frère que nous ne... Et moi, je n'ai pas besoin d'attendre l'enquête sur la mort de mon père pour savoir que c'est un meurtre, monsieur. Maintenant, c'est la sœur et elle n'est pas de bonne humeur. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Au meurtre. Je suis l'inspecteur Derrick. Quelle est votre adresse? Qui a découvert votre père? C'est moi. J'ai cherché mon père de tous les côtés. J'étais sûre qu'il devait être rentré. Il n'a pas répondu quand j'ai appelé. Alors, avec mon frère, on a fouillé dans toute la maison. Et qui a coupé la corde? Moi. Son corps était chaud quand on a détaché mon père. Et vous avez tout de suite averti le docteur? Oui. Le docteur Müller était chez lui. C'est un ami de mon père. Quelque chose a-t-il été dérangé dans ce grenier? Non. Bien, venez. Venez. Quelle est votre conclusion? Est-ce que vous croyez que je puisse délivrer le certificat de décès? Il me semble vous avoir dit que mon père ne s'est certainement pas suicidé. Vous avez des raisons de le croire? Il faut un motif sérieux pour se suicider. Mon père n'en avait aucun. Il n'avait aucune difficulté, ni dans sa profession, ni personnelle. Il n'avait aucune dépression. Il était heureux. Ça, je peux en jurer. Docteur Müller, oui. Vous nous connaissez? Oui, je vous connais bien tous. Était-il malade? Non, assurément pas. Ou vous en témoigneriez si besoin était? Oui, j'ai toujours eu l'impression que votre père était un garçon très équilibré. Et si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru une minute qu'il se tuerait. Il pouvait avoir des raisons que nous ignorons et que vous ignorez. Nous n'avons pas de corde de ce genre chez nous. Ingo.
Non. Nous n'en avons pas, ni à la cave, ni au grenier. Il aurait pu l'amener lui-même, par exemple. Pourquoi et comment? Tenez, voici son attaché-case. Plein de documents. Croyez-vous qu'une corde aurait de la place? Quelle était la profession de votre père? Homme d'affaires. Financement d'industrie. C'était son affaire? Oui. Vous êtes seul ici? Non, nous avons un couple de gardiens. Ils sont tous deux en vacances. Raconte-leur pour la porte. Ah oui. Nous venions de descendre à la cave et brusquement nous avons entendu la porte. Qu'est-ce que vous avez entendu? La porte d'entrée qui s'est fermée. Et je l'avais fermée à clé une minute avant. Nous avons couru, mais on n'a rien vu. Dites-moi, votre père avait-il un bateau, un voilier? Un voilier? Non. Je vous dis ça car le nœud avait été fait d'une certaine façon et je pense que seul un marin sait faire cela. Mon père n'était pas très adroit et je ne crois pas qu'il aurait pu faire un nœud pareil. Cela m'étonnerait. Non. Appelle, Harry. Nous allons demander des renseignements. Nous voulons être certains. Bon, alors, est-ce que vous avez encore besoin de moi? Non, je vous remercie, docteur. Ça y est, vous avez fini? Oui, et mes collègues de la sécurité ont terminé également. Mais dis-moi, qui est cette fille? Elle ne nous a pas lâchés d'une semelle. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est vraiment sa fille? Oui, où est-ce qu'elle est? Avec son frère là-haut, dans la bibliothèque. Je te rejoins tout de suite. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, il va falloir attendre les résultats de l'autopsie et nous en saurons peut-être un peu plus. Pourrais-je vous voir demain? Je vous ferai convoquer. À 9h? Non, plutôt vers midi, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous voulez que je laisse un gardien pour la nuit? Non, c'est inutile. Bonne nuit. Je vous accompagne. Merci. Non, elle est impossible, cette jeune fille. Ouais. Elle a une idée dans sa petite tête. Ah, ça, on dirait. Pour moi, c'est un suicide. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que je voudrais surtout savoir, ce sont les raisons pour lesquelles ce monsieur aurait pu se tuer. Tout l'étage est occupé par les bureaux de mon père. Combien avait-il d'employés? 12, à Munich. Il y avait aussi un bureau à Paris. Et un à Zurich. Bonjour, madame Becker. Bonjour. Je crois que monsieur Ludemann nous attend. Oui, je suis au courant. Par ici. Merci. Bonjour, monsieur Ludemann. Bonjour, mademoiselle Gazette. Bonjour, Ingo. Monsieur Ludemann était le bras droit de mon père, Derrick, inspecteur de la brigade criminelle. Bonjour. Bonjour, monsieur Ludemann. Asseyez-vous. Merci. Je n'arrive pas encore à y croire. Toutes mes condoléances à vous deux. C'est impossible. Mon père a été victime d'un meurtre. C'est une impression personnelle, mademoiselle Gezerk, rien d'autre. Nous ne trouvons pas de raison pour laquelle il a pu se suicider. C'est pour ça que nous sommes là. Il n'avait pas de raison personnelle. Est-ce qu'il aurait pu avoir une raison professionnelle? Professionnelle? Cela pourrait être tout à fait possible. Comment ça? Nous avions dernièrement de grosses difficultés. Nous avions fait en Amérique du Sud, au Venezuela, de forts investissements. Seulement, nous avons été, comment dire, truandés. Nous avions perdu de l'argent. Votre père en avait été assez déprimé. Il ne parvenait pas à admettre qu'il avait fait une erreur. Peut-être est-ce cela la raison. Je n'étais pas au courant de cela. Papa t'avait-il fait des confidences à ce sujet? Non. Aucune. Il n'avait pas l'air déprimé. Si vous voulez vérifier, j'ai fait préparer le dossier. J'avais supposé que vous viendriez m'en parler, s'il vous plaît. Vous nous laissez seul un petit instant, je vous prie.
Mais naturellement. Alors, il y a une raison maintenant. Votre père avait des difficultés financières. Non, ça je ne le crois pas. Vous n'avez pas entendu, la firme avait de grosses difficultés. Oui, mais il n'était pas déprimé. S'il l'avait été, nous l'aurions remarqué. Ingo. Que veux-tu que j'en sache? Si Ludemann le dit... Il y a longtemps qu'il travaillait pour votre père. Il y a plus de 20 ans. Père disait constamment que si Ludemann ne le secondait pas, il n'aurait sans doute jamais pu réussir ce qu'il avait réussi. Oui. Je regrette beaucoup, mademoiselle Gezerke. Non, non, non! Mon père n'aurait jamais fait ça. C'est une chose dont je suis sûre. Jamais il ne l'aurait fait. Je sais que mon père ne se serait sûrement pas suicidé pour un échec. Ce n'était pas le type à se laisser faire. Ludemann doit nous montrer le dossier. Viens avec moi, Ingo. Je vous en prie, mademoiselle Gezerke, Ingo. Je vais essayer de tout vous raconter. Vous êtes de la brigade criminelle? Oui. Est-ce que c'est vrai que le patron s'est suicidé? Oui. Cette affaire du Venezuela était-elle vraiment aussi terrible? Est-ce que ça l'avait déprimé à ce point-là? Déprimé, lui? Pas que je sache. Je n'ai jamais travaillé avec un patron aussi équilibré que lui. Excusez-moi. Nous avons reçu cette réponse. La banque de Nassau n'avait aucun compte au nom de cette firme. Le papier était un faux, ainsi que les états de la banque, de même que tous les dossiers. Tiens, prends ça et assieds-toi, Ingo. Car c'est ta place maintenant. Tu vas devoir prendre des décisions. Tout n'est pas encore perdu. Enfin, pas tout à fait. Ton père ne l'aurait pas accepté. On doit se sortir de cette affaire. J'avais déjà tout prévu. Je vais t'expliquer, tu vas voir. Oh, à vous aussi, mademoiselle Gezerke. Je peux voir ça? Je t'en prie. Je suis désolé, mais il faut que je m'en aille. Je viens avec vous. Êtes-vous un peu soulagé? Non, je ne sais plus quoi vous dire. Avez-vous encore une minute? Oui. Il nous a montré beaucoup de dossiers, des lettres venant d'Autriche, d'Espagne, plein de chiffres, de comptes rendus auxquels je ne comprends rien du tout. Il faudrait prendre un expert. Mon père n'arrêtait pas de me dire d'aller le voir à son bureau, travaille avec moi. Jamais je ne l'ai fait parce que j'étais trop fainéante, ça ne m'intéressait pas. Que vouliez-vous me dire? Qu'il y a une chose que je sais. Mon père ne se serait jamais suicidé. Comment est-ce que vous pouvez en être absolument certaine? Vous ne le croyez pas, hein? Vous croyez que je suis folle, non, j'ai imaginé tout ça. Manière. Vous devez vous demander comment vous allez vous débarrasser de cette fille idiote. Seulement, je vais vous dire une bonne chose. Au fond de moi, il y a un déclic qui me dit que mon père ne nous aurait jamais fait ce mal. Ce n'est pas suffisant pour vous. Hein? Voici les résultats de l'autopsie. Mort par strangulation. La commission vient de libérer le corps. Les enfants peuvent enterrer leur père quand ils veulent. La fille t'a fait impression, n'est-ce pas? Oh, tu laisses tomber. Tu penses à quoi, Stéphane? Non. Allez, passez-leur les menottes en vitesse. Allez. De quoi est-ce que nous parlions? Je t'avais demandé à quoi tu pensais. À quelqu'un qui se pend pour cause de dépression. Un monsieur que personne n'a jamais vu déprimé de son existence. Tu penses que c'est bizarre? Oui, c'est bizarre. Et ça n'est pas normal. Tu devrais oublier ça, Stéphane. Fais envoyer quelques fleurs aux enfants. Bonjour, monsieur Ludemann. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce qu'on fait habituellement dans un cimetière, je suis venu assister à l'enterrement. Ah, oui.
La firme continue à tourner? Oui, oui. C'est-à-dire que Ingo a pris les affaires en main. Il s'est mis au travail. Comment il s'en tire? Bien, très bien. Oui, c'est vrai. Ça étonne tout le personnel. Alors la firme ne sera pas perdue? Non, non, non. Elle subsistera. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et malgré les difficultés, ils s'en tirent bien. Ils ne se laissent pas déboussoler. Cela me ravit. Oui. Et Alain? Au revoir. Au revoir. La police va aussi aux enterrements? Oui, parfois. Pourquoi êtes-vous là? Par intérêt. Intérêt que je porte à une affaire qui me chiffonne. Vous vous laissez accrocher de cette façon? Oui. Excusez-moi, je vous prie. Vous, ici? Pourquoi? Il ne s'agissait tout simplement que de l'enterrement d'un suicidé. Peu de gens lui ont rendu hommage, vous voyez. Je voulais savoir comment vous alliez. Oh, je crois qu'elle ne changera jamais. Elle continue de penser encore que notre père n'a pas pu se suicider. Vous ne croyez pas, vous? Non. On sait maintenant ce qu'il y a eu. Nous avons eu des explications parfaitement claires. J'ai appris que vous vous occupiez de la firme. Oui, avec l'appui de Ludemann et aussi de Wallner. Ah oui. Nous sortons des difficultés. Elle n'était pas aussi... aussi grave. Pas au point de se suicider. Tu devrais y aller. Ludemann va s'impatienter. Oui. On doit passer au bureau. Veuillez m'excuser. Bien sûr, je vous excuse. Je constate que vous n'avez toujours pas changé d'avis. Non. Dans cette tombe repose quelqu'un qui est victime d'une erreur. Alors, partons du principe que vous avez raison. On a assassiné votre père. Jamais je n'ai parlé non, de meurtre. Non, non, non. Vous supposez qu'on a pu le tuer. Seulement, quel est le mobile? Je prétends que quand un homme se fait assassiner, il faut qu'il y ait forcément un mobile. Oui. Mmh. Écoutez, à dater de ce jour, vous me direz absolument toutes les choses qui se passeront, tout ce qui vous semblera anormal, les appels téléphoniques, les plus petits détails, les conversations, les entrevues professionnelles ou personnelles. Vous avez compris? Oui, j'ai très bien compris. Et je vous remercie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu supposes qu'il y a une affaire Geserke? C'est exactement ça. Et pour quelle raison? Est-ce que tu as des éléments nouveaux? Je vais te dire ce qu'il y a. Au cimetière, un homme était blanc de frousse en me voyant. Ludemann? Oui, Ludemann. Je me demande encore pourquoi. Parfait. Un homme a eu peur de toi au cimetière. Et ça te suffit? On dit aujourd'hui que la firme ne risquait pas la faillite. Elle ne risquait rien? Non, elle ne risquait rien. Il n'y avait donc aucune raison que Geserke en arrive au point de se suicider. Entendu. Et il y a une suite? Oui, il y a une suite. Le jeune Ingo s'occupe de la maison. Il est courageux. Il y a beaucoup de gens pour l'aider. Entendu, entendu, tu as gagné. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je veux savoir qui est Ludemann, ce qu'il fait de ses libertés, quelle personne va-t-il rencontrer et quelle est sa réputation. Mais c'est aussi urgent que ça. Très, je pense aujourd'hui qu'il s'agit d'un meurtre. Dis-moi, tu rentres bien tard? J'ai eu une longue conversation avec Ludemann et avec Wallner. Tout baigne dans l'huile. On va arriver à s'en sortir. Veux-tu manger quelque chose? Non, j'ai mangé tout à l'heure. Veux-tu boire quelque chose? Non, non, tu es gentil. J'ai bu déjà 2 whisky avec Wallner et Ludemann. Du whisky? Du bar de père? Tu as quelque chose contre? Maintenant, c'est le mien. Comment ça, c'est le tien? Oui, c'est moi qui suis le patron. Il en faut bien, non? Tu veux l'être? Moi? Non. Jamais je n'aurais cru que tout cela m'intéresserait. Mais le fait est là. Oui, c'est fascinant, ce métier. Ludemann s'étonne de ma facilité d'adaptation. Il t'a acheté. Est-ce que tu es folle? Écoute, il faudrait que tu t'habitues à quelque chose. À
À quoi? À cesser de regarder les gens comme s'ils étaient coupables d'assassinat. Quelqu'un se plaint de mon attitude? Oui, Ludemann. Il a dit que ça l'embêtait, ta façon de le regarder. Oh, donne-moi à boire, tu veux? Et je veux que tu arrêtes de dire que papa a été assassiné. Ingo. Oh, mon Dieu, Emma, t'es encore là, toi? T'as encore fauché, hein? Tu finiras par rester en tôle. Merde. Oh, tu vas te faire corriger. Alors? Rien de particulier à signaler sur ton ami Ludemann. Calme, correct, le type parfait du travailleur. Il a bossé dans des sociétés très différentes, de fondé de pouvoir jusqu'à directeur. Très estimé, mais pas particulièrement intéressant. Il paraît qu'il est un peu complexé et timide. Marié? Non, célibataire. A eu quelque temps une liaison avec sa secrétaire. Oh, un Becker, ça c'est amusant. Elle vient de divorcer et elle a une fille. Ah. T'as pas l'air satisfait, on dirait. Non, je l'avoue, je m'attendais à autre chose. Et il y a autre chose. Seulement, je trouve que ça ne cadre pas avec le reste. Qu'est-ce que c'est? Schroeder a interrogé le concierge de la maison où Ludemann habite. Il lui a dit que Ludemann sortait très souvent de chez lui. Oui, alors, où veux-tu en venir? Une minute. Il est très souvent, c'est-à-dire chaque fois, attendu par une belle fille qui a une Maserati. Elle était là ce soir. Qu'est-ce que tu me racontes? Ben oui, je trouve aussi que c'est assez incroyable. Une belle fille? Oui, la classe. Mais qui porte un assez joli collier de perles. Et qui possède une Maserati? Une Maserati. On a relevé le numéro? Naturellement, et je sais à qui appartient la voiture. Mars, la fille de l'entrepreneur. Tu as certainement entendu parler de lui. Claes, le roi du building, millionnaire. Encore plus que ça. Ludemann s'était mis en smoking et paraissait rayonner de bonheur. C'était quand? Mais il y a une heure. Voilà le nom et l'adresse de cette dame ainsi que le numéro de téléphone. Harry, qu'est-ce que tu disais? Complexé et timide? Ludemann? Oui, mais je disais aussi qu'il y avait quelque chose qui ne cadrait pas. Allons, monsieur Claes? Ah non, excusez-moi. Je désirais voir monsieur Ludemann. Serait-il chez vous par hasard? Oh, pas ce soir. Pardon? Ah oui. Où ça? Ah oui, je vous remercie. Il semble que la belle fille n'est pas chez elle. Claes donne une soirée au restaurant Chirocco. Et alors, c'est son droit? Il a le droit d'inviter Ludemann à sa table. Et il a le droit de nous inviter aussi. Ça te dirait de venir manger avec moi? Bah, et moi, je mange aussi. Non, toi, tu es de garde. Mais comment tu vas entrer s'il a loué tout le restaurant? Oh, je trouverai un truc. Ah. Je suis désolé, nous avons une soirée. La salle est réservée. Ah oui? Je vois à vos vêtements que vous n'êtes pas invité. Ah oui, ça c'est vrai. Excusez-moi, je viens de voir un ami. Non, monsieur, attendez une seconde. C'est à vous d'attendre une seconde. Écoutez, nous retournerons chez moi quand cette soirée sera terminée. D'accord, très volontiers. Bonsoir, monsieur Ludemann. Madame. Derrick? Oui, et le maître d'hôtel me dit que c'est une soirée réservée ce soir. Oui, c'est vrai. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il y a, Ludemann? Si ce sont vos amis, qu'ils soient les bienvenus. Bonsoir, messieurs, je suis monsieur Claes. Je m'appelle Derrick et voici monsieur Schroeder. Nous voulions dîner ici. Tout est complet. Prenez ça en main, Ludemann, et demandez en cuisine s'il reste à manger pour des retardataires. Merci, nous acceptons votre invitation. S'il vous plaît, une table pour deux. Oui. Voici, messieurs. Je vous remercie. Puis-je vous aider? Non, 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 tout va bien. Mais asseyez-vous, monsieur Ludemann. Dis donc, Claes, c'est ce gros entrepreneur, n'est-ce pas? Oui. Ah. Vous êtes en affaire avec lui? C'est un ami? Ma firme est en affaire avec la sienne, oui. Et qui est donc cette ravissante jeune femme qui se trouvait à votre table? C'est la fille de monsieur Claes. Pourquoi? On ne peut que vous féliciter. Que voulez-vous dire? Ludemann m'a dit que vous étiez de la police criminelle. C'est très exact. Puis-je me joindre à vous quelques instants? Bien sûr. Ah. L'affaire Gözerke, je l'ai bien connue. Nous avions mangé ensemble il y a encore peu de temps.
Cette histoire m'a épaté, je l'avoue. Il rentre chez lui et il se pend à cause de petites difficultés. Les difficultés, c'est le pain quotidien dans les affaires. Les choses vont et viennent, il n'y a pas de quoi se paniquer. C'est monnaie courante. Quel genre d'affaires aviez-vous avec Gezerk? Pourquoi aviez-vous? Je les ai encore et je les garde. Je sors la firme des difficultés où elles se trouvent, n'est-ce pas, Ludemann? Eh oui. Vous redressez Gezerk? Eh oui, j'essaye. Ce monsieur n'avait plus rien à espérer en affaires. Je lui avais acheté un terrain, un immense terrain, plusieurs millions. Ludemann avait établi un contrat parfait. Ah, une belle opération. Qu'est-ce que vous fêtez ici ce soir? Oh, rien de particulier. Il m'arrive souvent de donner des soirées pour des clients intéressants. Regardez un peu autour de vous. Il y a du beau linge. J'ai beaucoup d'amis influents. Seulement, ils se prennent souvent pour beaucoup plus forts qu'ils ne le sont. L'affaire Gezerk est mise en rancard? Oh oui, sa fille, crois. Oui, la fille de Gezerk. Oui, je la connais. Son nom est Ellie. Oui. Elle suppose que son père ne s'est pas suicidé. Ah non? Mais il s'est pendu. Il y a un rapport d'autopsie, alors qu'est-ce qu'il conclut? Il conclut au suicide, il ne peut faire autrement. Ah, alors? Ah, je vois que la croûte arrive, alors bon appétit, messieurs. Allez, venez, Ludemann, on n'est pas là pour s'amuser. Hein. Vous prenez au sérieux ce que la fille raconte? Sachez que je ne prends au sérieux que ce qu'il est. Ah, j'en étais sûr. Bon, je vous laisse. Bon appétit. S'il vous plaît. Et monsieur? Vous voulez débarrasser tout ça? Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh non. Mais vous voyez, les huîtres me restent sur l'estomac. Cet homme est un drôle de numéro. Il est arrivé à se faire une assez jolie place en marchant un peu sur la tête de ceux qui l'entouraient. Pourquoi le rapport d'autopsie l'intéresse-t-il? Oh, ça peut ne rien vouloir dire. Monsieur et cette dame m'inquiètent. Ils nous mijotent quelque chose. Prends un papier, Harry, s'il te plaît, et note bien ce numéro. Ellie Gezerk. Ah, c'est vous. Vous êtes au courant d'une vente de terrain que votre père aurait faite à un nommé Kless? Une vente de terrain? Non, je ne suis pas au courant. Non, mais attendez un moment. C'est Derek qui me téléphone. Tu es au courant d'une vente de terrain que papa aurait faite? Mais oui, ce terrain est notre dernière chance. On va faire quelque chose de fabuleux dessus. Mais de quoi est-ce qu'il se mêle? Et pourquoi personne ne m'a tenu au courant de ça? Moi aussi, ça m'intéresse. Voilà le terrain en question. Tout ça est vide depuis des années et on doit démolir bientôt. Très bien situé, en tout cas. Oui, c'est tout près de la gare. Quelle surface y a-t-il? 50 000 mètres carrés, je pense. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut valoir? Non. Kless a proposé 10 millions pour l'avoir. Mais si ça vaut autant que cela, je comprends de moins en moins pourquoi mon père se serait suicidé. Vous appelez ça des difficultés? Je vous accorde que c'est assez anormal. C'est un homme qui habite ici, il fait un peu de surveillance. Tout ce que je sais, c'est que mon père aurait le terrain plusieurs fois, mais il ne voulait pas s'en débarrasser. Bonjour, monsieur Mangold. Bonjour, mademoiselle Gezerk. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous voyez. Alors, ce terrain, vous l'avez vendu? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a quelque temps, des gens sont venus tout mesurer. Mesurer? Plusieurs personnes, un architecte est venu également. C'était quand? Attendez, c'était quand? Il y a une dizaine de jours environ. Une dizaine de jours? Ouais. Il y a 10 jours, mon père était encore vivant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces gens-là avaient ou non l'autorisation d'agir ainsi? Et s'ils l'avaient?
C'est qu'il avait sans doute l'intention de vendre. S'il ne l'avait pas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne voulait pas vendre, et alors? Alors c'est peut-être pour ça qu'on l'a assassiné. Pardon. Monsieur Kless, s'il vous plaît. Il est au bureau, là-haut. Merci beaucoup. Alors, descendez encore d'un étage. Combien de temps pour faire les changements de plan? Ils travaillent déjà 10 heures par jour. Eh ben alors, ils vont travailler 12. Je paye et ils bossent, vu? Sinon, tu sais ce qu'on perd par jour? Des centaines de mille. Et vous commencez à m'énerver. Je ne veux pas être dérangé. Oh, je suis désolé, monsieur Kless, j'ai des questions à vous poser. Ah, vous êtes le commissaire ou l'inspecteur qui est venu à ma réception? C'est exact, et voici l'inspecteur Klein. Bon, ça va comme ça, on se verra plus tard. D'accord, patron. Venez. Merci. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Vous voulez quelque chose à boire? Non, merci. Comme vous voudrez. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, il s'agit du terrain de Gezerk. Est-ce que vous l'avez acheté? Oui, c'est ce que j'ai fait. Les contrats ont été signés ce matin. Et alors? Qu'est-ce qui vous chagrine là-dedans? Ce qu'il y a eu avant. Et en quoi ça vous intéresse? Avez-vous traité cette affaire de terrain avec Gezerk? Oui. Est-ce qu'il voulait vendre? Non, il ne voulait pas vendre. Absolument pas. Je lui avais dit, mais bon sang, un prix comme celui-là, personne ne te le donnera. Mais il refusait. Et je vous l'ai déjà dit. Dans ce cas, sa mort est survenue juste à temps. Minute. Je vous vois venir avec vos gros sabots. La mort d'un homme n'arrive jamais quand il le faut. Et je suis navré de la mort de ce pauvre garçon. Mais cette affaire, c'est moi qui l'ai faite. Ça va être énorme. Une ville de rêve, un peu dans le genre de Berlin. Ce qui se fait à Berlin, on sait le faire aussi. Vous vous êtes dérangé pour ça? J'en serais bougrement surpris. Bon alors, qu'est-ce que vous cherchez? J'aimerais que vous le disiez. Le rapport entre la mort de Gezerk et l'affaire que vous avez faite. C'est ma faute si ce pauvre garçon a perdu la tête? Ben, vous me faites porter le chapeau? Vous me faites perdre mon temps, vous savez ce que ça coûte? Non. Bon, encore des questions? Non. Alors dans ce cas, vous permettez que je reparte au travail. Vous savez où est la sortie? Assez nerveux, ce garçon. Ouais, je pense surtout qu'il a quelque chose à cacher. Oui, Klein. Une seconde, s'il te plaît. C'est pour toi. J'ai quelque chose et je crois que ça pourra sans doute t'aider. Je me suis occupé de Monsieur Kless. Comment? J'ai pu avoir des informations que je devrais garder pour moi, mais tu vas te régaler. Ce monsieur risque une fantastique banqueroute. Tous ses crédits ont été bloqués. Oui, c'est ça, tu as compris. Kless a de très très grosses difficultés. Tu sais ce que ça veut dire, Schroeder? Ça veut dire qu'il a besoin du terrain de Gezerk, c'est impératif pour lui, pour y bâtir une ville nouvelle. Très juste, c'est ce qui le sauvera de la déroute. Allez, salut et merci. C'est du gros gibier. Harry, admettons une chose. Pour un homme comme Kless, quand on se sent doucement poussé vers la noyade... Il n'y a pas grand choix, on est capable de tout. Où est-ce qu'il s'en va? 11h30, il va sans doute voir son ami Ludemann. Le chantier est interdit aux personnes étrangères. Question de sécurité. Appelle Mademoiselle Gezerk en vitesse, Schroeder. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Il est presque midi. Kless est déjà là. Il est monté. Il est question de signature, mais j'ai donné tout pouvoir à Monsieur Wallner. Vous allez les lui retirer. Et est-ce que vous voulez me dire pourquoi? Pour un jour ou deux, on vous dira pourquoi plus tard.
Avez-vous vérifié, maître? Oui, vous n'avez plus qu'à signer. Ici, monsieur. Eh bien, allons-y. Bonjour. Bonjour. Où est le certificat vous donnant tout pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas pouvoir? Mais si, naturellement. Tenez, le voilà. Je le reprends. Voulez-vous m'expliquer ce que ça signifie? Le frère et la sœur doivent être d'accord pour vendre. Mademoiselle Gezerke m'a donné pouvoir. Que je veux toujours dire. Mais mademoiselle Gezerke, nous étions tous d'accord, moi et aussi votre frère. Il faut signer. Je vais signer ce contrat maintenant ou jamais. Non, sans l'accord de mademoiselle Gezerke, votre signature est nulle et non avenue. Vous me donnez une raison? Oui, je veux que la mort de mon père soit éclaircie. Vous vous occupez de cette affaire, Ludman. Et prévenez-moi quand cette fille reprendra ses esprits. Vous? Vous avez tout combiné. J'ai demandé à mademoiselle Gezerke de prendre quelques renseignements. Et sur quoi? Sur vous. Sur vos affaires et votre fortune. Écoutez-moi bien. Ce contrat va être signé et vous, vous n'empêcherez rien. Tu le prends en chasse. J'ai récupéré la procuration. Bon, merci. Je peux vous parler, Ludman. Vous aussi, s'il vous plaît. Vous pouvez sortir. Est-ce que vous êtes bien conscient des conséquences que cela peut avoir? Tout à fait. Pourquoi lui as-tu retiré la procuration? Elle l'a fait sur mon conseil. Est-ce que vous réalisez? Kless va renoncer à l'achat. Pour nous, cela signifie la faillite. Je crois que ce n'est pas encore certain. Qui est-ce qui a vérifié les comptes de votre firme, tant? Moi. J'ai montré tous les comptes à Ingo. Vous y avez compris quelque chose? Je sais encore lire. Un bilan aussi? Oui, aussi ça. Même falsifié? J'ai demandé à une société comptable, en accord avec votre sœur, de bien vouloir regarder les statuts de votre petite affaire. Mais pourquoi? Pourquoi regarder les statuts? Nous n'avons pas besoin de vous. Vous pouvez sortir. Moi, mais pourquoi voulez-vous que je sorte? Parce que je vous le dis. Une société comptable, pourquoi faire? On a prétendu que la raison du suicide de votre père était cette malheureuse affaire d'Amérique du Sud. Mais elle n'a peut-être jamais existé. Et naturellement, dans ce cas, il n'y a plus aucune raison au suicide de votre père. Donnez congé à Ludman et interdisez-lui dès cet instant de mettre les pieds ici et de toucher à quoi que ce soit. Et commencez dès demain à faire des vérifications. Par une société compétente. Hein? Croyez-vous aussi au meurtre? Vous? Madame Baker, laissez-nous seul un moment, vous voulez? Étant donné que Madame Baker est au courant des affaires, je propose qu'elle reste ici et vous écoute. Je vous demande, Ludman, d'aller quelque temps en vacances. Comment aller en vacances? Et je vous interdis de mettre les pieds ici. Mais j'ai encore... J'ai l'intention de demander à une société comptable de venir et d'effectuer des vérifications spécialement sur l'affaire d'Amérique du Sud. Je vous prie donc de prendre vos affaires, monsieur Ludman. Tout de suite? Oui, tout de suite. Aucun dossier, vos affaires personnelles et c'est tout. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que me reprochez-vous? Rien, encore rien. Je vous l'ai dit, il s'agit d'une simple vérification, pas autre chose. Vous allez avoir besoin d'aide. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. C'est très compliqué, il faudrait leur expliquer, leur montrer. Si vous expliquez les comptes d'une affaire, c'est parce qu'ils sont mal tenus. Pour combien de temps suis-je? On vous l'indiquera. Je trouve que l'accusation portée contre Ludman est tout à fait déplacée. Par conséquent, je vous demanderai de bien vouloir accepter dès cet instant ma démission. Avez-vous la gentillesse de nous donner une raison précise? Non. Ils sont partis? Oui. Écoute, Schroeder, les choses prennent une tournure bizarre. Alors tu me mets Ludman sous surveillance, il est parti chez lui. Oui, oui, tu ne lâches pas une seconde, tu entends? Tu as des nouvelles de Harry? Ah, bon, d'accord.
Monsieur Derrick, j'ai fait tout ce que vous vouliez. Je l'ai fait pour ma sœur, mais je veux en savoir les raisons. Écoutez-moi une seconde. J'ai entendu dire que Kless est au bout du rouleau. Il court tout droit à sa perte. Il est urgent qu'il achète votre terrain et il faut qu'il réalise l'opération le plus vite possible. Il faut à tout prix qu'il ait ce terrain, sinon il est perdu. Je n'y comprends rien. Taisez-vous et écoutez. Votre père ne voulait pas vendre. Ça, c'est une chose acquise. Alors Kless se retourne vers M. Ludemann. Il tente alors une sorte de spéculation. Il a sans doute chargé sa fille d'aller tâter le terrain. Kless donne des soirées, il invite Ludemann chez lui et lui fait de très grosses propositions financières. Mais pour quelle raison? Je crois qu'il est décidé à s'approprier le terrain de force. Par un meurtre? Oui, mais camouflé en suicide, parce qu'il y a un motif quand un homme se suicide. Et Ludemann va le lui procurer. Avec l'affaire du Venezuela qui doit être fictive. C'est pour ça qu'il faut être fixé très très vite, oui. Mais jamais vous ne craignez de faire une erreur. J'ai constamment peur de ça. Oui, j'écoute. C'est pour vous. Je viens d'avoir des nouvelles de Harry. Kless vient de revenir au chantier. Monsieur Kless, Ludemann au téléphone. Kless, comment? Il y a une raison, sûrement. Bon, du calme, tu me répètes ça calmement, j'écoute. Oui, j'ai entendu. Bon, où es-tu? Mais parle donc sans t'énerver, je ne comprends rien du tout, alors dis-moi où tu te planques. Bon, bouge pas de chez toi. Oui, je t'appellerai. Oui, compte sur moi, d'accord. Oui, Derrick. Harry, ça va de ton côté? Quoi? Deux de ces ouvriers? Il leur a parlé sur le chantier? Il y en a un qui a un tatouage sur la poitrine, une encre. Oui, comme en ont certains marins. Je crois qu'un type comme ça peut savoir comment on fait des nœuds marins. Notre batelier. Bon, Harry, qu'ont fait ces deux bons hommes? Ils ont pris leurs affaires et ont quitté le travail? S'en vont. Tu les suis et tu ne les lâches pas. Stéphane, prends mon appareil. Kless voudrait te parler. Oui, allô, Kless, vous voulez me parler? C'est ça, j'aimerais bien qu'on discute. Vous avez le temps? Pour moi, ça irait aux environs de 5 heures. Et pour vous? Oui, c'est un drôle d'endroit pour discuter affaires, mais... D'accord. Bien sûr, vous m'attendez. Ça devient de plus en plus intéressant. L'intéressant, je crois que c'est surtout Ludemann. Je me demande ce que Kless me veut.
Est-ce qu'Harris s'est manifesté? Non, pas encore. Bonjour, Monsieur Kless. Bonjour, Derek. Asseyez-vous. Comment vous trouvez ça? Grandiose. C'est vous qui l'avez bâti? Non, c'est dommage. Je viens souvent ici pour admirer ce stade. C'est gigantesque. Ouais, ça me fait rêver. J'aimerais en faire autant. Vous m'avez dit de venir ici pour écouter vos regrets? Que voulez-vous savoir? Ce que vous savez sur M. Ludemann, il vous a téléphoné? Il ne m'intéresse pas. Je sais que cet homme a fait de grosses bourdes, mais ses comptes vont être vérifiés et nous pourrons constater que ses livres ont été falsifiés. Falsifiés pour le compte d'un autre. Et alors? Quand un homme fait des erreurs, il en supporte les conséquences. Tiens, nous avons le même point de vue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que je ne suis qu'un imbécile. Mais je sais pourquoi vous m'avez dit de venir ici. Pour avoir un alibi, pardi. Tu as vu ce qui se passait? Les deux gars qui sont entrés? Oui, Sterling. Dans la cour. Donnez-moi Schroeder. Oui, c'est pourquoi. On va attendre Monsieur Clash chez vous. Alors vous allez l'attendre dehors. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que voulez-vous? Mais attendez! D'accord, reste en ligne. Allez, viens, on fonce. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Venez, vous écrivez. Quoi? Qu'est-ce que je peux écrire, moi? Écrivez vos aveux. Pardon? Je suis quand même pas con. Ça, c'est pas la vie de tout le monde. On le répétera pas. Écrivez. Ah, je vois. Claes est derrière tout ça. Seulement, j'écrirai rien. J'écrirai rien. Rien du tout. Vous écrivez? Moi, Robert Ludemann, reconnais par la présente avoir escroqué durant des années Monsieur Gezerke. Je suis responsable de son suicide. Ne pouvant vivre avec ce poids sur la conscience, je préfère me tuer. Qu'est-ce qu'on attend? Ils sont dans l'appartement. Et maintenant, vous signez Robert Ludemann. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Si ces gars sont en train de jouer au poker, on aura l'air fin. Non. Je vais tout dire aux flics. Tout. Je vais tout dire aux flics. Non. Non. Non.
Bien, parfait, Harry. Amène-les au bureau. Comme ça, on aura tout le troupeau. Mais vous êtes dingue, merde! J'ai oublié de vous dire que je viens très souvent dans ce stade. Seulement, j'y viens quand il y a du monde. J'aime aussi beaucoup le sport.